On voit rien. Non mais il y a Godin des mers. C'est Godin des mers, personne ne connaît. Il est très connu. Lucien Godin des mers. Logement pour tous. Créer le nouveau monde. Le logement pour tous, poésie. Bien, ça fait de la pensée. C'est-à-dire que ceux qui en mettent le gilet jaune sont ceux qui font de la pensée. Absolument, mais c'est pour ça que je dis, je viendrai ici tous les vents, tous les samedis. Soit... De bénir chacun tes pas et chacun tes roues. Blablabla. Exactement. Bonsoir, mademoiselle. Il y a un texte là, si vous voulez lire. Tu l'as sur la propriété? Vous avez déjà eu le texte à emporter? Oui, vous l'aviez donné déjà. Ah, je vous ai donné déjà lequel? Bonsoir, monsieur. Salut, garçon. Monsieur, non, je vous en remercie. Ah, ben, c'est donc, en fait, le plus important pour moi, c'est celui-là. C'est Révolution civile. Avec ça, normalement, vous pouvez comprendre que le système n'a jamais commencé ça. En fait, on n'a jamais commencé l'idée démocratie, l'idée nous, à cause de la question de la propriété du territoire qui n'a jamais été légiférée au titre du code-là. Donc Napoléon a pris le code de propriété chez les Romains et nous sommes toujours sous tutelle du code romain qui défend la propriété privée sans partage et la propriété relative, à laquelle j'appelle, n'a jamais commencé. Donc le logement pour tous, voilà. Il faut comprendre que la première chose qui détermine un système, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. Et ça n'a jamais, on n'a jamais commencé, ce qui est génial. On n'a jamais commencé. On est sous un régime totalitaire par propriété privée, voilà. Et tout est, voilà, et c'est ça qui est à changer, en fait. C'est là où est le commencement. Si on veut faire le commencement d'un nouveau monde, après il faut faire la réponse sociétale du vivre ensemble, c'est-à-dire j'appelle à la création de lieux, du corps d'État, des artisans poètes, etc. Je veux dire pour le vivre ensemble, voilà. Et il faut faire normalement la formule, là il regarde, il est en train de regarder, donc ce que je dis, il faut faire la constituante du code de copropriété du territoire, il faut faire le service public du logement. On dit qu'on est en démocratie et le service public du logement n'a jamais été créé. Alors qu'il y a un autre mot pour dire démocratie, c'est service public. Donc, qui sont en train d'être détruits, mais c'est la continuité. Mais c'est la continuité, puisqu'on n'a pas le commencement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une continuité du fait que le commencement n'a pas commencé. Là, on arrive à une apogée de ce que j'appelle la privécratie. Donc, tout ce qui est le privé supervise et élimine le service public, élimine les restes de démocratie. Donc, et donc, voilà. Et donc, service public du logement, service national de construction d'entretien, code et caisse des loyers. Voilà, même un ministère de la propriété, donc voilà, il faut commencer. La chose qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas commencé le commencement, le logement pour tous, donc le logement pour tous, c'est la formule pour comprendre facilement. Mais après, la vraie question, c'est le code de copropriété du territoire, en mètre carré, qui octroie un droit relatif en mètre carré et qualité du mètre carré. Voilà, c'est la formulation qui est à mettre à la constituante. Voilà, après, il y a plein d'autres choses. Hein, mais... Les bonnes paroles de Lucien Godin des Mers. Non, enfin, Michel. C'est Michel, mais moi j'aime bien dire Lucien. Je peux ouais, pas, mais c'est Michel quand même. C'est Michel. Sinon, je donne des coups de pied dans le tibia. C'est Godin des Mers. Parce voilà. Que j'aime bien aussi donner des coups de pied dans le tibia, sale gosse. Donc, ah, si tu me taquines, je te taquine. Voilà. Vous l'avez déjà aperçu dans Paris, à droite à gauche, je suppose. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je vous dis, je suis en résistance depuis 32 ans. Et je suis homme de la rue. Je suis homme de la vie, donc en fait, quand on fait ça, on rencontre plein de monde, on fait la vie. Ce qui est fou dans ce système, c'est qu'en fait, la vie n'a pas été commencée, en quelque sorte. Le principe, il faut comprendre que ce qui crée la vie humaine, c'est une création.
les religions ont fait du vivre ensemble, ont créé des lieux pour le vivre ensemble, mais le laïc est l'universaliste, et l'universalisme n'a pas créé sa formulation pour faire le vivre ensemble. Nous sommes dans un néant du vivre ensemble. Or, en 1905, ils ont fait séparation de l'Église et de l'État, mais ils n'ont pas fait de réponse pour le vivre ensemble. Ils auraient dû faire des lieux, et c'est ce à quoi j'appelle, donc des lieux, le corps d'État des artisans poètes. Il faudrait qu'il y en ait autant que ce qui est consacré aux théocraties, de façon à ce qu'il y ait que tout le peuple, toute l'humanité puisse se rencontrer, qu'on puisse se rencontrer dans des lieux de gratuité, des lieux du vivre ensemble. Vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que normalement construire de toutes pièces. Hein. C'est sans le commencement, c'est sans fin. Hein. C'est le commencement du sans fin. Oh, non, moi j'ai dit c'est sans commencement, donc c'est sans fin. Non, mais là pour l'instant c'est l'intitulé. Non, il s'agit de commencer le commencement justement. C'est voilà. Commencer le commencement. Oui, il faudrait commencer à commencer. Voilà, il faut commencer à commencer. Et pour commencer à commencer, c'est pour ça que je vous le dis, c'est commencer à reconnaître que le système est une démocratie mort-née, parce que la première chose qui détermine un système de gouvernement, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. Et ce rapport n'a jamais été créé. La propriété privée supervise, alors que si nous sommes en démocratie, il faut qu'il y ait un code de copropriété du territoire qui octroie un droit relatif, mais logé à vie à chaque personne, à chaque être humain. Donc, c'est construit, il y a 32 ans que je suis en résistance. Effectivement. Donc le commencement du commencement, c'est ça. C'est commencer à reconnaître que, et que même, ça c'est le commencement de la démocratie, mais c'est en même temps le commencement de l'humanité. Parce que normalement, ça devrait être l'ONU qui exige à tous ses États membres, même les dictatures, qui logent le peuple, qui crée le logement pour tous. Voilà, pour que l'ONU existe, je dirais, au sens de l'humanité, faut qu'il exige à tous ses États membres le logement. Vous voyez ce que je veux dire, Effectivement. C'est un délire, ils n'ont pas commencé. Donc, tout le monde mérite un toit. Mais plus que ça, c'est pas un droit normalement, c'est beaucoup plus que ça, c'est un devoir du politique que de loger le peuple. Voilà la phrase de l'abbé Pierre, il dit la gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Ils n'ont pas commencé. Les gouvernements n'ont pas commencé. Pour l'instant, on est dans le crime assermenté. Voilà, ils sont assermentés à être des criminels. Voilà, on vote pour des criminels parce qu'ils font pas leur travail. Hein. Ils perpétuent le manquement. Hein. Je ne dirais qu'une seule chose, c'est là que ça commence. De quoi le... Par cet entretien vidéo. Ben oui, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je Ce sera sur YouTube, moteur en colère. Dès que, moteur en colère. Moteur, ouais, parce que les moteurs en colère, ça existe déjà, c'est la FFM. Ah, moteur en colère. Non, moi, c'est moteur en colère. Moteur en colère. Ouais, eh bien, je vais vous donner mon Facebook. C'est bien si vous l'envoyez. Il n'y a qu'à le dire sur la chaîne, là, comme ça, ouais, ce sera divulgué. Bon, il y a ma page Facebook, Michel Godin-Desmers, et il y a mon Michel Godin-Desmers, c'est une page, hein, donc et il y a mon profil, mais ça le profil c'est avec plus intime, donc j'aime bien connaître des gens quand même, donc mais bon voilà, faut voir. Eh ben voilà, l'info sera diffusée voilà, aux 55 abonnés actuels. ça me fait bizarre. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, non, mais déjà un. Abonnez-vous. Plus, déjà, ça fait beaucoup. Moi, je suis homme du vivant. C'est un peu. Depuis 2000. Ah ben voilà, alors je vais vous donner l'information. Depuis 2007, je vais derrière Notre-Dame tous les vendredis, 19h, 23h, au titre, donc avec ma bicyclette et avec mon banc, et je montre des fontaines, j'ai ma fontaine orgasme, puisque je parle de cette question-là. Donc, entre autres, et tous les vendredis, donc 19h, 23h, je fais un rituel universaliste laïque, c'est-à-dire la réponse au titre, au sens du rituel du vivre ensemble. Il faut créer de toutes pièces le vivre ensemble. Donc, il y a les lieux à créer pour le vivre ensemble, et il y a les temps de rencontres pour faire les échanges de points de vue. Parce que la doctrine de l'artisan poète, c'est en quelque sorte, tout le monde a des points de vue, mais il faut organiser les échanges de points de vue de façon à créer du sens commun en quelque sorte. C'est donc il faut faire de la rencontre. Donc après, il y a moi qui fait l'avant-garde, mais il faudra faire qu'il y ait des artisans poètes partout. Vous voyez ce que je veux dire, avec les lieux, avec du vivre ensemble, tout ça, c'est... Ah, on va enfin se rencontrer, on va apprendre à chanter ensemble, on va apprendre à faire des choses ensemble. Ah, on va apprendre à faire des
donc des manifestations qui ne soient pas des manifestations pour revendiquer le contre le les lois, comment on appelle ça, liberticides. etc. Mais on fera des manifestations pour faire le vivre ensemble, comme il existe la Gay Pride, comme il existe, etc. C'est-à-dire pour montrer les œuvres, pour que les femmes et les enfants soient là et puis qu'on se réjouisse de voir les enfants, enfin voilà, etc. Pour faire du vivant, quoi, pour faire le vivant. Voilà, ça je l'ai écrit, enfin bon, c'est une autre histoire. Alors, sur ce. Hein, voilà. Vue d'ensemble. Voilà, vue d'ensemble. Ouais. Au pied de la République. Et donnez-moi les corps. Il n'y a pas de souci, moteur en colère. Super. Oh, bah ça, c'est à moi, ça. C'est vous qui l'avez perdu ou non, non. C'est ta bouche. C'est ta bouche, Lucien Godin des Mers. Bon, bah. Donc, c'était entretien avec Lucien. Non, avec Michel. Michel Godin des Mers. Je dirais même Godin des Mers, tout court. Ben oui, tout court, tout simple, Michel Godin des Mers. C'est écrit là, tu vois, je suis pour la... Il suffit de savoir lire, hein. Voilà, je suis pour l'amour de l'art, pour l'art de l'amour. Faut que je le rebleuisse, c'est ça, hein. Faut que je remette de la couleur là-dessus. Le logement pour tous. C'est le commencement, c'est le principe d'humanité, commence là. Et je dis l'ONU commencer à faire que la gestion des territoires, au sens de l'administration, que l'administration universelle exige que chaque élément de... chaque personne, quoi, tout le monde, ne soit pas prisonnier des propriétaires et ne soit pas des esclaves. Les femmes, en liberté, et les enfants, en liberté, et l'artisan poète, en liberté. Merci bien à vous, hein. Ah, en quelque sorte, ça, quoi. Et après, on va passer à ce que j'appelle après école, donc des lieux et le corps d'état des artisans poètes, école d'amour adulte, polyamoureux, libertin, on va apprendre à s'aimer. Donc ça, on n'y est pas encore, hein, mais je le pose quand même dans le temps, voilà, parce que l'amour, c'est notre raison de vivre, en fait. Et pareil, il faut l'encadrer. Bon, hop, ça pop.